Ici, présentement, on est dans la salle qui présente l'exposition « Aïe, Médan, Nissin ». L'enjeu de l'exposition, c'est vraiment de réfléchir sur la question des langues autochtones aujourd'hui. Quand ça arrive en art visuel, on est surpris, en fait, de voir qu'effectivement, oui, on peut, à travers les arts visuels, supporter un discours comme ça. Mais ce discours-là aussi, il est porté par l'expérience de chacun des artistes. Donc, on ne fait pas juste en parler, on découvre à la fois une nouvelle vision du monde aussi. Ma pratique, c'est ce qui m'amène justement à échanger avec les gens. C'est un peu comme un repas. Il n'y a rien de mieux que de discuter autour d'un repas, déguster des choses, donc déguster de l'art, en fait. Là. Moi, l'affaire que j'aime avec l'art, c'est qu'on peut éviter la politique. C'est rassembleur quand même. Vraiment, pour moi, c'est de faire partie de l'histoire, de voir qu'est-ce qui peut arriver dans le futur. Si on s'assume tout de suite, on fait partie de l'histoire. On crée l'histoire.